Les prochains gars sont capotés. Entrez dans leur univers. Hein, laissez-vous envahir. Sont fuckés, sont épais. Les Picbois. Les Picbois, vous travaillez beaucoup, beaucoup costumes, personnages. Quand vous voyez les autres qui font des stand-up qui sont normales, trouvez-vous que vous travaillez beaucoup? Non, parce qu'eux autres, ils n'ont pas la tâche facile, parce qu'un stand-up, c'est très difficile, pour vrai. Fait que nous autres, on n'écrit rien, là, on improvise. Non. En fait, on n'aurait pas fait en route si on n'avait pas un peu la confiance d'avoir un bon numéro, tu sais. Vous improvisez pas. Oui, on improvise. Parle dans le micro. Non, moi, j'ai un micro dans le toupette. Tu vois, t'as pas un micro dans le toupette? Ben oui, j'ai un micro dans le toupette. J'ai pas besoin. Ben, calisse! Excusez. Alors, si on fait l'historique de tout ça, première année, on s'est rendu à la finale. Ouais, madame. Deuxième année, on s'est fait sacré dehors à la première émission. On l'a pas pris pantoute. L'an passé, troisième édition, on n'est pas là. Quoi? Là, on parle d'honneur ici. On vient sauver l'honneur des Picbois. Ceux qui vous ont aimé beaucoup, beaucoup, première année, en deuxième année, est-ce que vous avez le même genre? Êtes-vous resté aussi? Je pense que oui. On est resté le même genre, mais on a évolué. J'aime beaucoup ça, me faire parler dans le casque. On peut dire ça, je me fais parler dans le casque. Mais Picbois, on vous regarde sur cinq tantôt, puis je vous attends avec la suite. J'espère que ça va bien aller et que vous allez oublier votre expérience d'il y a deux ans. Oui, oui. Bonsoir, je m'appelle Yvan. Évangile Nelson, et vous écoutez Évangile Nelson. Évangile, c'est Évangile. Avant de commencer l'émission, j'aimerais revenir sur les propos très controversés de la semaine dernière, et je m'en excuse. Vous vous rappelez les propos controversés que j'ai dit sur les noces de Cana? Alors aujourd'hui, on a une grosse émission. On va aussi avoir notre débat. Alain Choquette, mage ou sorcier? Mais avant tout, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, le partage. Et pour partager mon sujet aujourd'hui, on invite un gars vraiment sympathique. J'ai nommé le pape. Ils ont tous vous invités. Oui, c'est ça. Yeah. Dites-moi, Évangile. Oui? À votre oreille, il y a un anneau. Oui, ben c'est un anneau qui appartenait jadis à un de mes idoles, vous savez. Votre idole, hmm? Oui, ben c'est le défunt chanteur du groupe Queen, Freddie Mercury. Eh bien, Évangile, j'ai le regret de vous annoncer que vous ne pourrez plus porter cet anneau, puisque ce Freddie Mercury est un... homosexuel! Ah ben moi, je trouve ça ben effrayant, ce que j'entends là. Vous saurez qu'en 2009, la communauté homosexuelle... Stupide évangéliste joufflu! Ben là... Vous et vos semblables avec vos anneaux à l'oreille, vous vous croyez une communauté, hein? Vous seriez donc la communauté de l'anneau? À présent, il est peut-être déjà trop tard. La transformation a peut-être déjà commencé. La transformation? Cet anneau que vous portez, Évangile, il a été créé dans le but d'amener les hommes dans l'homosexualité la plus bestiale et dépravée. Un simple contact peut mettre en péril votre virilité. D'accord. Débarrassez-vous de ce fardeau. Oh, vous avez raison, je l'ouvre à l'instant. Mais pourquoi pas? Pourquoi ne le garderai-je pas? Il est à moi! Il est venu à moi! Évangile Nelson! Surtout ne me prenez pas pour un pape de pacotille! Ah! Si vous remettez cet anneau, vous ne vaudrez pas mieux qu'un avortement, un condom et une femme réunies! Ah! Oh, mon Dieu, vous avez raison, pape! Gardez cet anneau caché! Surtout ne le remettez pas à votre oreille! Il faut se rendre rapidement au bar de striptease le plus près. Un bar de striptease? Mais pourquoi? Évangile, le seul moyen de détruire cet anneau est de le jeter dans les profondeurs d'un vagin! Nous ne devrons croiser aucun homosexuel sur notre route. Oh my God, ça va être difficile. Aujourd'hui, c'est la parade de la fierté gay. Mais qu'est-ce que... Oh mon Dieu! Évangile, la lame est rose fifi! Oh! Les homosexuels, ils sont partout dans la salle! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Suivez-moi! Oui!
Voici l'Évangile, c'est un homme de l'Église, expert en Évangile, et il revient en ville. Il est viril. Il est viril. Et c'est pourquoi nous irons jeter l'anneau dans un vagin. Vagin! 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 Toutes les filles ont hâte que ce puceau les gâte. Il est plein de vie comme Jésus à Pâques. C'est Barabbas, les Ponce Pilate n'ont qu'à bien se tenir, car nous irons jeter l'anneau dans un vagin. Vagin! Oh mon Dieu! Le pape, ça marche! Les homosexuels sont dégoûtés! Oh, vite! Tous vers le premier bar de striptease! Et vous? Vous pouvez suivre les aventures d'Evangeline Nelson et du pape dans le prochain épisode, Le Seigneur des Nelson, les deux fesses! Moi? Des petits gars qui s'amusent. Ah, en 14 ans. Vous avez chanté et crié vagin. Venez-vous à... Ben oui, mais t'en as un vagin, toi. Oui, j'en ai un. C'est bien pire. Oui, il a bien été. Nous sommes très fiers de ce numéro-là. Dans la création, de la manière qu'on l'a fait, je pense que ça a bien rentré. Fait que... On l'a bien joué. On n'a pas eu date de croche. Venez, on va aller voir les jeux, justement. On va aller voir ce qu'ils en pensent. Et on se retrouve tantôt. Même heure, même poste, même vagin. Allez! Messieurs? Ici, les gars, de chaque côté du thé. Bonsoir. 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 Bonsoir, le pape. Bonsoir. C'est très agréable de voir le pape dans un numéro comme ça. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri. Vous m'avez fait beaucoup rire. Je vous dis pas que c'est un numéro de gala. J'en suis pas là pour l'instant, mais c'est très drôle. Et ça fait du bien. Ah, ben merci. Merci. Non, moi, j'aime bien ce que vous faites. J'aime bien votre folie. En même temps, je trouve que si vous manquez de punch, ça prendrait un peu plus de punch. Vous êtes hyper sympathique, là. On vous achète tout de suite en partant. Une belle folie. Mais un petit côté juvénile qui, si c'était plus punché, qui vous aiderait. Vous avez des bien bons punch, mais vous n'avez pas assez. Si vous l'écoutez, vous allez trouver ça un petit peu lent, en faisant plus rapidement. Ça aiderait. Et puis toi... Ouais, c'est dans l'oreille. Est-ce que vous pourriez me dire « My God, le beau morceau »? My God, le beau morceau. Merci beaucoup. My God, le bon sketch. Merci beaucoup. Belle prestation, les gars. Ouais. Merci. Beau moment de folie. Parfait, on retourne au chômage. OK, bye. Bon, ben, salut tout le monde. Bye. Ça fait donjon. Ça fait un fort voyant. Ben, ça a été une belle aventure. On se revoira. Jamais. Mais vous êtes? Comment ça, quoi? Vous êtes sûr que ça passe pas? Pas jamais, je sais pas. Ils ont dit qu'ils avaient beaucoup ri, que c'était un bon sketch. Mais c'est pas des... notre jeu, notre c'est complicité. Pas bon? Non, je connais, genre, c'est un visage à deux faces. Quand il aime ça, ça passe jamais.